Quand je découvre une nouvelle ville, j'aime m'y balader et admirer ses bâtiments, en particulier leurs façades. Quand je suis arrivée à La Rochelle, j'ai remarqué les parois en pierre blanche des vieilles tours, non loin des bâtiments modernes, façades vitrées des minimes. Et demain, à quoi ressembleront les façades des bâtiments qui viendront se joindre à celles-ci ? Jusqu'à maintenant, les façades sont statiques, passives. Dans le futur, on les imagine actives. On aimerait qu'elles s'adaptent au climat et aux besoins des occupants tout au long de l'année. Que leurs vitrages s'adaptent au rayonnement solaire en s'opacifiant, comme le font les verres photochromes des lunettes internes variables. Ou bien que ces isolants soient amovibles, un peu comme des vêtements chauds qu'on enlève pour l'été. Mais avant de déployer ces nouvelles solutions, il faut pouvoir estimer leur performance, notamment thermique, grâce à des outils simples et rapides. Ça marche plutôt bien pour les façades statiques, mais beaucoup moins bien pour les dynamiques. Les différences entre les expériences réalisées en laboratoire et les résultats des calculs théoriques sont très grandes. Mon travail consiste à développer une méthodologie permettant de définir les caractéristiques thermiques des façades, qu'elles soient passives ou actives. Et pour ça, j'ai une alliée inestimable, Fafa. Fafa, c'est une magnifique installation expérimentale à grande échelle. Elle est capable de tester des éléments de façade de 3 mètres sur 3 mètres en conditions climatiques réelles. Elle donne des informations de différentes natures, comme la température, l'humidité, les débits d'air, le rayonnement solaire. Mais l'année passée, le dialogue avec Fafa n'a pas été très facile. Oui, ça reste un bout de mur, mais un bout de mur multiglotte. Certaines informations sont fournies en RS-485, d'autres directement en Ethernet ou bien par mesure de tension ou de courant électrique. Une partie du travail a donc été de s'assurer qu'elle ne racontait pas n'importe quoi. Et depuis quelques mois, Fafa est bavarde. Très, très bavarde, un peu comme une ado superactive. Elle est capable de m'envoyer des centaines d'informations par minute. Et contrairement aux vrais ados, elle ne prend ni vacances, ni même de pause. Cela revient donc à traiter des millions d'informations toutes les semaines. Si on jette un coup d'œil rapide à ces données, impossible d'y lire le résultat recherché, les caractéristiques thermiques de la paroi. Pour les obtenir, on a besoin de 3 choses. 1. La physique, des modèles numériques décrivant le comportement thermique des parois. 2. L'expérience, les données qu'on a récoltées lors des essais, qu'on a sélectionnées, filtrées et triées. 3. Les mathématiques. On utilise des algorithmes, aussi appelés méthodes inverses, qui permettent de faire le lien entre 1. La physique et 2. L'expérience, en estimant les caractéristiques thermiques des parois. Fafa sera mature quand elle aura permis la réalisation de tous les essais et mesures nécessaires à la caractérisation d'au moins une façade passive et au moins une façade active. Si tout va bien, ce sera la fin de ma thèse. J'espère alors ne pas me rendre compte que j'ai passé 3 ans à parler à un mur. Merci. Merci beaucoup. Merci maman.